suis de retour. Et oui, comme vous l'avez vu, Antoine cherchait Nicodémus et il ne l'a pas trouvé. Mais rassurez-vous, on a une petite surprise pour vous, pour vous faire patienter. Samedi prochain, le 9 octobre, on va organiser avec un animateur de chez Asmodée et Bombix une animation à partir de 19h, donc à la fermeture, voilà, c'est une animation du soir, une escape game dans l'univers de Nicodémus, Imaginarium, etc. Une escape game à la suite de laquelle vous pourrez aussi découvrir et jouer à Nicodémus. C'est limité à 12 inscriptions. Les 12 premiers inscrits pourront y participer. Attention, soyez rapides. Et en parlant d'animation cool, eh bien, il est temps de vous révéler les gagnants de ce fameux concours Skull qui vous faisait gagner tout ça. Donc du coup, les noms des 6 gagnants s'affichent par là. Là, je n'en sais rien, je laisserai Alex s'en charger. Voilà, qui pourront gagner ceci, ceci, ceci et ceci. Bravo à vous. Et j'ai très hâte de voir vos petites photos, hein. J'espère que vous nous en enverrez sur Instagram ou sur Facebook pour nous montrer tout ça. En parlant de concours, on enchaîne les bons événements. En parlant de concours, je vais vous laisser avec Antoine qui va vous proposer un nouveau concours. Oui, encore toujours. A tout de suite. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je vous retrouve pour le concours de cette semaine qui se passe par ici. Vous allez pouvoir gagner l'une de ces deux magnifiques pistes 2D immersion offertes par Offline Edition. On les remercie. Il y aura donc deux gagnants, gagnantes. Comment est-ce que ça va fonctionner? Eh bien, je vais jeter les 2D dans les pistes 2D. Il faudra essayer de trouver le résultat, la somme des 2D. Parmi les bons résultats, parmi les personnes qui auront trouvé la bonne somme, eh bien, on va tirer au sort les deux gagnants ou gagnantes. Je vais le faire immédiatement, mais la vidéo va être coupée. Vous verrez la suite de la vidéo la semaine prochaine avec votre nom. Attention, c'est parti. Et merci Antoine. Autre bonne nouvelle, restez à la fin de cette vidéo, on vous fait un petit teasing et une grande présentation détaillée de nouvelles contrées, un petit bijou ludique, un petit ovni qui va sortir prochainement. Voilà, donc ça c'était le petit teasing, maintenant on va passer à l'actualité pour de vrai. Donc du coup, on va directement aller... Salut YouTube, je suis le double maléfique d'Antoine et j'interromps cette pitoyable vidéo pour vous parler de l'offre des 30 ans de Gigamic. Joyeux anniversaire Gigamic. Alors, comment se passe cette offre? Eh bien c'est très simple, du 1er au 31 octobre 2021, pas 2022, pas 2020, mais bien 2021, tu viens à la boutique, tu achètes 3 jeux parmi ceux qui sont ici, il y en a 15 au total, et le moins cher des 3 t'es offert, c'est pas génial? Et en plus de ça, eh bien Gigamic offrira un jeu en échange à l'association du don en nature. Et ouais, c'est pas maléfique ça. Allez, bon anniversaire Gigamic. Mais on enchaîne quand même avec les vraies nouveautés qui sont ici dans le jeu, dans le rayon jeu d'ambiance. Voici Haut les mains, peau de lapin. Oui, c'est un rapport avec le design des lapins. Haut les mains, je l'ai vu à Vichy, dont je vous parle à la fin de la vidéo. Et ça a vraiment hyper bien tourné. Toutes les tables où il y avait ce jeu, ça hurlait de rire, vraiment. Il y avait des gages, parce qu'il y a des gages trop drôles à voir de l'extérieur, et je pense que de l'intérieur aussi. Voilà, moi je l'ai joué à pas beaucoup, mais sachez que ça se joue de 4 à 16, et je pense que le mieux c'est à 16. Ça doit être tellement le bazar. En tout cas, ça l'était quand je le voyais jouer par les autres. Sinon, c'est un jeu d'ambiance de devinettes. Voilà, en équipe. Deux équipes s'affrontent. On commence ici avec un pion que vous aurez récupéré de là où vous voulez, voilà. Et le jeu se termine dès qu'on a réussi à faire tout le tour. Le jeu se termine certes, mais quelle équipe a gagné? Celle qui aura réussi à récolter le plus de jetons et surtout les jetons qui valent le plus de points. Vous voyez, les jetons de la fin de jeu vont rapporter plus de points que ceux du début du jeu. Ces jetons sont rattachés à des thèmes, voilà, des thèmes et des façons de faire deviner des mots. Voilà, donc en premier vous aurez haut les mots, donc il faudra faire deviner avec des mots, assez classiquement, et là ce sera sur douce France, donc un peu de culture G. Après vous avez haut les mimes, en action, ou haut les sons, en chanson, etc., etc. Quand vous arrivez sur la première case, donc les deux équipes arrivent là, c'est la manche haut les mots, et bien vous allez avoir dans une équipe une personne qui sera désignée comme le devineur. Il va prendre la première carte sans la regarder, et il va la coller sur son front. Du coup, tout le reste de l'équipe, de son équipe, voit ce qu'il doit lui faire deviner. Mmh. Là, vous allez mettre un timer de 1 minute. Et en 1 minute, il va devoir deviner celle-là et d'autres, le plus possible. Le plus possible, il doit en deviner de ce thème-là.
Et donc du coup, ce qui est très drôle justement, comme je vous ai dit, c'est quand on est très nombreux, parce que vous allez avoir 4 personnes en face de vous qui vont hurler des mots, vous allez devoir essayer de les comprendre, de les mettre ensemble pour trouver la réponse. Voilà. Et donc du coup, plus on enchaîne comme ça, et plus on va gagner de cartes, et ensuite, à la fin des 8 minutes, ça va être à l'équipe adverse de deviner dans le même thème. Ok. À la fin des 2 minutes, une chacune, eh bien on va compter quelle équipe a gagné le plus de cartes. C'est cette équipe qui va remporter le jeton. Quand il y a une égalité, c'est quitte ou double, c'est-à-dire que la prochaine manche, eh ben, l'équipe qui l'aura gagnée gagnera les 2 jetons. Mmh. Voilà. Donc du coup, on va avancer comme ça. Le grand twist hyper intéressant, c'est ça. C'est ça qui est trop marrant, c'est les gages. En fait, à chaque début de thème, là, de manche, vous allez en tirer une. Et l'équipe devra avoir ce gage-là en fonction du thème en cours. Donc là, on était sur le haut les mots. C'est sportif. On va devoir faire deviner... Donc les gens qui font deviner, pas le devineur, en faisant des squats. Voilà, il y en a d'autres, par exemple Jeff, je le voyais sauter à cloche-pied tout en chantant des choses. Et oui, comme je vous ai dit, il y a chanson. Par exemple, vous devez faire deviner tomber la chemise en chantant. Vous pouvez aussi avoir, celui-là je suis très nulle, mais compléter les paroles. Donc vous allez chanter, vous allez faire mimimi et l'autre doit compléter. Après vous en avez d'autres, hein, comme je vous ai dit, il y a jouer de l'harmonica, c'est des mimes, donc sans aucun bruit. Voilà, il y a imitation, donc vous devez imiter Johnny Hallyday sans chanter, ça c'est difficile. Mmh. Voilà, et d'autres mimes comme le tir par exemple, ou un plaquage de rubis. Comme vous voyez, il y a pas mal de cartes, ça c'est une infime partie de ce qu'il y a, mais bon, il n'y avait pas la place, et chacune des cartes est de 2 sens, donc il y a vraiment vachement de rejouabilité. Mmh. À la base, c'était une application. Voilà, et ça l'est toujours d'ailleurs, c'est une application sur Android qui a vachement marché, mais les fans étaient tellement fans qu'ils ont demandé au créateur, que j'ai rencontré qui est adorable, d'en faire un vrai jeu de société, parce que bah, quand ils veulent offrir ce jeu parce qu'ils l'adorent, bah, c'est un peu nul d'offrir une appli. Ouais. Donc là au moins on a le vrai support. Voilà, du coup vraiment c'est un très bon jeu, je pense vraiment d'ambiance, qui va très bien marcher à Noël et plus. Sincèrement, pour moi c'est... Ça remplace largement le blanc manger coco, hein. C'est tellement drôle, et mieux que le Time's Up aussi, c'est tellement tellement drôle, et en plus c'est assez rapide quand même, hein, c'est 20 minutes, voilà. Ça va être accompagné d'une super campagne de communication vers Noël, voilà, de ce que l'auteur m'a dit. Ça va être avec des gros youtubeurs, par exemple Natou, mais pas trop de spoilers, on verra ça à Noël. Voilà, donc on va enchaîner avec... Coucou, suivez-moi, ça va se passer par ici. On enchaîne avec donc la Pirate Box. Mais qu'est-ce que c'est quoi la Pirate Box? Eh bien c'est un jeu dans lequel on va jouer plusieurs manches pour gagner des points tout simplement. Et que va-t-on faire à ces manches? Eh bien je vous indique, hop là je vous montre, on a notre boîte à trésors ici avec des dés avec différentes facettes. Ces facettes qu'on va retrouver comme ça sur le petit rappel de jeu. Il y a les couronnes, les diamants, les bouteilles, etc. etc. On va fermer la boîte au trésor. On va mélanger comme ceci, un petit peu comme un bogle. Hop là. Et on va avoir le temps. Alors là c'est le bazar évidemment, mais on les remet bien comme il faut. Voilà, non mais ça c'est pas ce qu'on fait la vidéo. On va avoir le temps du sablier pour observer ce qu'il y a dedans. Donc là on va pas faire le temps du sablier, d'accord, parce que sinon la vidéo va être un petit peu longuette. Mais on va essayer de se rappeler où sont les éléments, puisque eh bien, les éléments vous font gagner ou perdre des points selon certains critères. Donc on va plutôt essayer de chercher ce qui pourrait nous faire gagner des points évidemment, ou ce qui pourrait embêter les adversaires. Pourquoi? Parce qu'une fois que le sablier va être terminé, on va refermer la petite boîte. Et ici nous avons eh bien, le petit plateau sur lequel on va poser nos personnages. Donc par exemple moi je joue ce personnage parce que il a un œil, une petite cache-œil et des dents toutes pourries, donc c'est un vrai pirate, donc je l'aime, voilà, forcément. Et on va le placer au lieu où on veut récupérer les objets. Je m'explique, hop là, en ouvrant la boîte, c'est plus visuel. Par exemple, si je veux récupérer le masque ici, pourquoi pas, et eh bien c'est la deuxième position en bas à droite, et eh bien je me mets ici sur mon plateau. Voilà, ouais, je ne vais pas prendre le masque, pourquoi? Parce que le masque il me fait moins 1, 2 masques c'est moins 2, par contre 3 masques, ah ça fait 5 points. Donc c'est un jeu de placement, puisque chacun notre tour, on va aller poser un personnage sur la case qui nous intéresse, et la manche s'arrêtera lorsque tout ça se sera plein. Ouais. Donc bah, les derniers emplacements, ça va être un petit peu la bagarre pour y aller ou pour ne surtout pas y aller. Donc
un petit côté comme ça, boggle, où ça va générer de nouvelles conditions à chaque manche, ça c'est hyper sympa. Un côté observation mémoire, et puis un jeu de placement en fait, un réel jeu de placement de blocage où on peut vraiment faire des petits twists, calculer qu'est-ce qui me rapportera le point, le plus de points, ou qu'est-ce qui pourrait faire perdre des points aux autres joueurs. Voilà, simplement. Il faut aller chercher les bons emplacements, mais il faut se rappeler. Exactement, il faut s'en rappeler. Et des fois on est super fier de soi, puis finalement quand on révèle, ça va pas du tout, hein, puisque voilà, quand c'est plein, on va révéler à nouveau, et puis on va compter nos points avec nos petits cocos comme ceci, et on va faire plusieurs manches, et puis on verra qui a le plus de points. Hop là, on y a joué hier, c'était très très sympa. C'est très efficace, c'est super bien ça. Après ce jeu de pirates, on va faire une petite rotation par ici. Oh. Et j'ai le plaisir de vous parler de King Domino Origins, qui est arrivé en boutique aujourd'hui. King Domino Origins, vous allez dire, mais c'est quoi? C'est une extension pour King Domino? Nanana, que nenni, pas du tout. C'est un nouveau jeu et c'est un King Domino plus en fait, puisque c'est un King Domino implémenté avec des règles supplémentaires sous forme de modules. Donc vous avez les règles de base qui sont pas tout à fait les mêmes que King Domino, qui ont déjà leur petite spécificité. Et puis vous avez deux modules, je vous explique. Donc je reprends quand même les bases de King Domino, parce que tout le monde ne connaît pas forcément King Domino. C'est un jeu dans lequel on va créer un domaine. Alors dans le jeu de base, c'est avec un château et son royaume, mais là nous sommes des hommes préhistoriques, donc on a notre petite cahute, et puis on va construire ce domaine en fait avec les tuiles comme ceci. Hop, en respectant la règle des dominos, il faudra qu'il y ait au moins un type de terrain en commun à chaque fois que je veux mettre une tuile. Vous voyez par exemple ici, je peux aussi très bien faire comme ça, hop là, j'ai de la prairie en commun, et bien je peux le mettre. On va faire un carré de 5 sur 5, et puis on comptera les points. Comment est-ce que je vais aller récupérer ces petites tuiles? Et bien j'ai mon personnage comme ceci. À chaque manche on va révéler 4 tuiles, on les classe par ordre croissant. Pourquoi? Parce que les tuiles avec les valeurs les plus importantes sont potentiellement plus intéressantes en termes de gains de points. Donc si je prends et bien la tuile la plus importante, à la manche suivante je prendrai la tuile de mon choix en dernier, en tant que dernier joueur. Si je prends la deuxième plus importante, je choisirai en avant dernier, et ainsi de suite. Si je choisis en dernier, je choisirai prochain à la prochaine manche. Je prends, admettons, cette tuile, on va se répartir les différentes tuiles, et puis une fois que tout le monde s'est réparti cette tuile, eh bien je vais récupérer ma tuile, je vais venir la poser sur mon plateau déjà existant en respectant la règle de pose de terrain commun. Si je ne peux pas, il n'y a pas de souci, au début j'ai ma hutte, je peux mettre n'importe quel type de terrain adjacent à ma hutte. Hop, ici je vois qu'il y a un volcan. Eh bien, les volcans, ça va être utile puisque c'est ce qui me fait gagner les points, ce sont les petites flammes. Le volcan, je le pose, je vois qu'il a 2 cratères, je prends un jeton avec 2 petites flammes. Je le retourne derrière, j'ai le droit de déplacer de jusqu'à 2 cases. Ouais. Et bien, je vais le déplacer de 1 case, admettons, et je mets des petites flammes dans cette jungle. À quoi ça sert les petites flammes? Et bien, pour ceux qui connaissent King Domino, en fait, ça remplace les couronnes. Donc, les petites flammes, ce sont des multiplicateurs de points. Je m'explique. Hop là, je viens rajouter ceci. Ici, j'ai une zone, donc on va regarder par zone d'un même type. J'ai une zone de prairie qui fait 2 cases. J'ai 2 petites flammes, parce qu'il y a des petites flammes imprimées aussi. Ben, ça fait 2 fois 2, 4 points. Par contre, si j'avais rajouté la flamme ici, j'aurais pu, hein, avec le volcan 1, 2, hop là. J'ai une zone de 2, j'ai 4 flammes, et ben ça fait 8 points tout de suite. C'est beaucoup plus intéressant, donc voilà. On va pouvoir placer ces petites flammes là où on le souhaite et optimiser la manière dont on va gagner les points. Ensuite, les modules. Premier module, oui. Vous voyez que sur les petites tuiles, il y a des petits animaux, il y a des choses dessinées. Eh bien, c'est le module ressources. Les ressources, on l'a mis dans notre joli porte-ressources. Oui. Ce sont les mammouths, les poissons, les silex et les champignons. Eh bien, tout simplement, il va y avoir un jeu de majorité avec le module totem, donc c'est le module des ressources. On a ces jetons, donc ce sont les totems de majorité. Ben, si c'est moi qui possède le plus de silex, j'ai le jeton. Si c'est moi qui possède le plus de mammouth, j'ai le jeton. Et ça fait des points en fin de partie, tout simplement. Ouais. Le deuxième module. Le deuxième module, c'est le module des personnages. On va rajouter ce plateau-là avec les petits jetons de personnages. Il y a un marché. Et en fait, à mon tour, je pourrais dépenser des ressources pour aller chercher un personnage. Donc, les ressources, eh bien, elles seront matérialisées sur mon plateau avec les petits poissons, les petits champignons, etc. Bien sûr, les poissons vont dans l'eau, les mammouths dans la prairie. C'est indiqué à chaque fois. Hein, donc, on ne se trompe pas, on ne met pas de mammouth dans la banquise, ça va très mal se passer sinon. C'est indiqué, on ne peut pas se tromper. Et donc, par exemple, eh bien là, je peux dépenser, hop là, à mon tour, le champignon et le poisson pour aller chercher, c'est où champignon poisson, c'est où champignon poisson, par ici, pour aller chercher un personnage et le placer sur une case inoccupée de mon plateau. Ça fera des multiplicateurs de points. Par exemple, elle, on voit que sur les cases autour d'elle, elle fait marquer 5 points par silex qui sera disponible là. Mais gros dilemme, on se dit, parce que du coup il faut dépenser des ressources pour aller chercher des personnages, mais les personnages vont faire marquer des points avec les ressources. Alors pas que, il y a des personnages qui vont marquer des points avec les flammes par exemple, et il y a aussi des chasseurs. Les chasseurs, on va essayer de les mettre ensemble pour créer des bandes de chasseurs. Ils deviennent eux-mêmes des multiplicateurs de points.
C'est hyper complet. Je rebondis juste sur le choix là, parce que j'entends les gens hurler. Oui. On a le choix que parmi 4. On a le choix que parmi 4. Alors déjà, quand on choisit, on remplace. Mais vous voyez ici que si on paye les 4 ressources, eh bien, je peux aller chercher dans ce petit paquet le personnage de mon choix. C'est pas je regarde les 3 premiers, je regarde celui qui m'intéresse. Non, non, je regarde tout. Je prends celui qui m'intéresse et je l'ajoute à mon plateau. Et ça, c'est vraiment très sympa. Ça va casser le hasard, mais évidemment, ça coûte 4. Mais on a cette option, elle existe et je trouve ça très malin. Oui. Voilà pour King Domino Origins, un jeu de Bruno Catala évidemment, joliment illustré par Cyril Bouquet. Et bien, on leur dit bravo, masterclass encore de Bruno Catala qui nous propose une très très belle version de King Domino. Excellent. On va enchaîner sur quoi ? On va enchaîner sur un retour en stock qui n'est pas tout à fait un retour en stock en fait. Parce que c'est Dune Imperium et... Oh, la coupe de cheveux, vous me voyez, ce n'est plus du tout la même, mais c'est la même personne. C'est moi, j'adore Dune Imperium. Pourquoi ? Parce que j'adore Dune, mais je trouve que ce jeu est très très bon. Hop là. On va vous en parler plus en détail pour un retour en stock, bah, simplement parce que quand on l'a eu à la boutique, on l'a eu quelques jours et il a disparu très 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 vite. On l'a attendu longtemps, il est enfin de retour. Et là, on a fait un joli stock, donc on espère pouvoir vous en proposer encore un certain temps. Ou alors vous venez à la boutique et nous pillez tout. Ça nous va aussi, hein, mais oui. On aimerait bien qu'un maximum de personnes puissent y jouer. Explication parce que très bon. Succincte, on va dire, sur Dune. Ouais, on va essayer de faire succinct. Donc, comment ça fonctionne ? C'est un jeu de deck building, de construction de main de cartes et de poste d'ouvrier. Vous allez choisir en début de partie ou recevoir au hasard votre chef de maison. Vous allez incarner les grandes maisons connues. Voilà, j'ai le baron Vladimir Harkonnen pour les Harkonnen, le duc Leto Atreides, il y a Paul Atreides. Enfin, voilà, les personnages principaux sont là avec des petits pouvoirs asymétriques. Je vais recevoir une main de départ qui est la même pour tout le monde, quasiment. Vous aurez aussi votre petite bague qui va pouvoir déclencher votre pouvoir spécifique, oui. Mais ça c'est lié au plateau. Et puis vous allez pouvoir, comme dans tous les deck building, acheter de nouvelles cartes. Mais spécificité de Dune Imperium, eh bien là, vos cartes, vous allez pouvoir les utiliser de deux manières différentes. Soit j'utilise ma carte pour le petit symbole qu'il y a ici, et puis bah, du coup ça va déclencher le texte gris aussi, qui va me permettre d'aller poser un ouvrier sur l'un des lieux indiqué, et donc là, mécanique de poste d'ouvrier, j'y reviens dessus juste après. Soit je garde ma carte jusqu'à la fin du tour, je la dépense pas pour aller me poser quelque part, et je vais profiter de l'effet en fin de tour. Ça peut être un effet de gain de ressources, comme de l'eau. Ça peut être des petites épées pour me donner des avantages dans la bataille. Vous allez voir qu'il y a une bataille qui est très importante. Ça peut être plein de choses, et puis ça peut être bah, surtout des points d'achat pour, à la fin de mon tour, acheter de nouvelles cartes dans le marché, tout simplement. Les postes d'ouvriers. J'ai mes agents que je vais pouvoir envoyer sur les différents lieux. Il y a le centre d'Arrakis, donc tous ces lieux-là sont sur Arrakis. Le centre, ben, c'est le désert, on va pouvoir aller chercher de l'épice essentiellement, évidemment. Un petit peu des gardes, un petit peu des effets de pioche, des choses sympas. On va pouvoir aussi aller voir les quatre grandes factions de l'Empire de Dune. Donc les Fremen ici pour avoir des combattants de haut par exemple. Le Bene Gesserit qui va permettre d'aller chercher les cartes pour embêter les autres joueurs ou épurer mon deck. Épurer mon deck, c'est évidemment très sympa dans un jeu de deck building toujours. Oui. La guide de Spatial qui va notamment me permettre, en payant beaucoup d'épices, d'avoir énormément d'eau et de combattants. Ou de pouvoir me placer là où je veux grâce à la carte qui permet de plier l'espace. Et c'est pratique de se placer là où on veut dans ce jeu, puisque, je vous l'ai dit, ben, les endroits où on peut se placer vont être limités par les cartes que l'on aura en main. Pour terminer, l'Empereur, il va me donner essentiellement des bonus d'argent. J'aurai cette zone-là où je pourrai un petit peu améliorer mon jeu. Notamment, il y a une des cases qui va vous permettre de recruter un nouvel agent, donc vous aurez plus d'action, c'est quand même assez puissant. Et pour terminer, ici, ça va être essentiellement pour gagner de l'argent. Soit un petit peu d'argent, soit beaucoup d'argent en échange d'épices, forcément l'épice ça vaut cher. Pour terminer, la bataille ici elle est très importante. À chaque manche on va tirer une nouvelle carte d'événement, de conflit. Le conflit va se passer ici, j'aurai des actions soit sur mes cartes soit sur le plateau qui vont me permettre d'envoyer et de recruter des petits guerriers ici, et on regardera eh bien, à la phase de résolution de conflit qui a le plus de petits bonhommes. Les petits bonhommes ils vont tous s'entretuer, hein, bien sûr. C'est la guerre, hein, d'accord. Et puis on regardera qui a été premier, deuxième, troisième ou les ex-aequo dans chacune des guerres, et il y a bah, des récompenses. Souvent en points de victoire, pas que, parce que les points de victoire, on peut aussi aller les chercher à droite, à gauche sur le plateau, notamment en montant notre réputation auprès des différentes guildes. Il y a 3 manches, c'est ça ? Il y a 3 types de paquets de cartes. D'accord, il y a les numéros 1, les numéros 2, les numéros 3. Je ne sais plus exactement combien on met de cartes de chaque type, sachant qu'évidemment, les conflits les plus intéressants vont arriver sur la fin, donc le petit paquet numéro 3. Il y a les gros conflits, notamment on pourra prendre possession des villes d'Arrakis qui vont nous donner des bonus à long terme, et en plus ce sera des lieux dans lesquels si les autres joueurs se posent, eh bien, on va obtenir les petits bonus. Donc voilà, c'est très complet, c'est très touffu. Il y a de la guerre, il y a du deck building, il y a du undeck building,
building puisqu'il va falloir se débarrasser de cartes, il va être de la poste d'ouvrier. Et pourtant, en fait, à son tour, c'est assez fluide ce qu'on peut faire. C'est hyper thématique. Oui. Moi, j'ai adoré. Et je pense que même si on ne connaît pas forcément l'univers de Dune, déjà, on peut aller voir les films ou lire les bouquins, c'est une bonne idée. Mais on peut jouer à ce jeu sans aucun problème et y prendre du plaisir. C'est sûr. Voilà pour Dune Imperium. Est-ce que j'ai été bien? Oui, c'est bon, j'ai rien oublié. Non, c'est bon. On poursuit. Non, attention. Pourquoi ça? Il y a des chambres à louer. C'est libre. Voici l'extension, la première du nom. C'est bien spécifié ici, donc ça nous annonce qu'il y en aura d'autres. C'est très clair. L'extension des tavernes de la vallée profonde, chambres à louer. Donc, comme le dit le titre, eh bien maintenant on aura des chambres. Voilà, à louer. À qui? Aux nobles. Il n'y a que qui ont l'argent pour louer des chambres. Voilà, les autres, les gueux, resteront dans le bar. Ces chambres vont avoir du coup des pouvoirs pareils, hein, avec des dés, hein, qui s'activent avec des dés. Ça, c'est la principale différence. Mais il y a plein d'autres modules. Et la grande différence avec l'autre jeu qui avait aussi des modules, c'est que là, les modules ne sont pas du tout obligés d'être pris dans un ordre ou quoi. Vous pouvez en ajouter un, l'autre, pas l'autre, quand vous voulez. Très bien, ça. Voilà. Donc, premier module, évidemment, les chambres. Hein, c'est un peu la base. Mais aussi, la cave à vin. Alors oui, on note, elle est juste à côté des chambres. Peut-être une stratégie, voilà, pour bien dormir. La cave à vin, du coup, qui est d'abord prise par le sommelier, qui est sous forme de carte, voilà, mais après qui évidemment peut devenir permanent quand vous l'améliorez et que vous la tournez de l'autre côté. Le sommelier va vous permettre d'avoir du vin, qui sont ces petits cubes et qui sont assez basiquement en fait des jokers, voilà. Ça vous transforme des dés en la face que vous voulez. Ça, c'est plutôt cool. Cool. Autre module possible, les taverniers. Ça, c'est mon favori quand même. Les taverniers, oui, les patrons, vous voici incarnés. Vous en avez plusieurs à choisir, parmi lesquels choisir au début de la partie. Je ne sais plus exactement combien, mais moi, ça m'avait paru très fourni. Ouais. En fait, chacun des taverniers va avoir un pouvoir différent. Par exemple, il y en a un, il arrive avec son propre livre d'or, qui est évidemment beaucoup plus intéressant que le livre d'or de base. Il y en a qui vont arriver avec directement une caisse améliorée, enfin voilà. Cool. Et du coup, ça fait de la symétrie vraiment dès le début. Chacun son tavernier, chacun sa mécanisme de base. Et ensuite, le dernier module, c'est Madame la Mère. Oh. Madame la Mère va vous mettre des contrats. Voilà. Il y en a beaucoup à mettre, ils sont recto-verso, vous pouvez les inverser les uns les autres, donc il y a beaucoup, beaucoup de rejouabilité. Donc d'un côté, là on le voit pas, c'est malheureux, oui, mais d'un côté, en gros, ça ressemble un peu à ça. D'un côté, vous aurez une condition, ouais, et de l'autre côté, vous aurez sa récompense si vous y arrivez. À chaque fois que vous arrivez à faire une condition, vous mettez votre petit jeton de l'autre côté, du côté résultat, et le premier à avoir réussi à enchaîner, à en mettre un sur chaque objectif, oui, va gagner la carte de Madame la Mère, qui est ici d'ailleurs. Tu peux filmer en bas. Hop. Ah, c'est elle, Madame la Mère. Voilà, Madame la Mère, et vous l'aurez en carte dans votre deck, voilà, qui a un avantage. Et voilà, ça c'est vraiment les grands modules. Et il y a la petite carte référence au charlatan de Belcastel, l'autre jeu de cette gamme. Voilà, ça c'était l'extension. Hop là, alors cette fois on enchaîne. Ah non, je laisse le relais à Antoine encore. Coucou. J'ai le plaisir de vous présenter Cora, l'apogée d'un empire, un jeu du Headquarters Simulation Game Club, illustré par David Chapoulet et Jocelyn Millet. Avant de parler du jeu, je pense qu'on peut dire déjà d'avance que c'est un gros coup de cœur. Ouais. Voilà, il y a déjà Tom qui s'est greffé dessus. Oui. Il y a déjà Alex, moi ma tête elle est pas loin, voilà, elle est là, elle est dessus maintenant. D'ailleurs, Tom avait déjà fait une vidéo en fin de vidéo. Tout à fait. Pour présenter Cora, donc c'est une très belle présentation. Il y a présentation. Deux semaines, je crois, une semaine, c'est à peu près, je sais plus, allez voir. Regardez toutes nos vidéos, finirez bien par tomber dessus. Donc Cora, par où commencer? Parce que alors, c'est ce genre de jeu, on peut faire plein de choses, mais déjà je vais vous contextualiser le jeu, ce sera déjà pas mal. Eh bien, vous êtes à la tête de votre peuple, on est dans la Grèce antique très clairement. On a un plateau qui est commun pour tous les joueurs, mais on a ce petit plateau comme ça de peuple, donc là par exemple Olympie, qui est asymétrique. On a différents peuples, je crois qu'il y en a 7, si je dis pas de bêtises, 7, 8, je crois que c'est 7. Un plateau joueur en fait. Exactement, hein, voilà, hein, en gros ça se décroche comme ceci. Qui peut être améliorable et qui va un petit peu orienter notre stratégie, parce que vous avez des capacités bien précises suivant le peuple que vous avez pris. Par exemple Sparte, ils auraient bien plutôt tapé sur des gens avec des épées. Bon, que va-t-on faire dans ce jeu? On va faire des points, mais alors des points on peut aller en chercher partout, donc je vais pas être exhaustif, je vais plutôt vous expliquer comment fonctionne un tour de jeu. On a le récapitulatif de tour de jeu ici qui est super bien fait, et en fait en vous expliquant le tour de jeu, ben, vous allez comprendre le jeu naturellement. Donc annonce de l'événement, pourquoi? Eh bien parce qu'à chaque manche il y a un événement, donc il y a
un certain nombre d'événements. On va en tirer, je crois que il y en a 7 plus 1 qui est toujours là à la fin, qui est la guerre finale contre la Perse. Donc je crois qu'il y aura 8 manches, si je dis pas de bêtises. Toujours un au début, on connaît. Oui, on connaît le premier et le dernier, exactement. Cet événement, eh bien, voilà, ça c'est le dernier, conquête de la Perse. Hop là, cet événement, il va vous annoncer que à la fin de la manche, vous pourrez gagner ou perdre des éléments de jeu suivant si vous respectez ou pas certaines conditions. Par exemple, un événement qui vous dit, oh, c'est la guerre. À la fin de la manche, le joueur qui a le plus de militaires gagne tant d'argent et le joueur qui a moins de militaires perd tant d'argent, tout simplement. Okay. Voilà. Donc déjà, ça va orienter vos stratégies pour la manche en cours. Ensuite, les impôts. Eh bien, parce que c'est un jeu, vous allez pouvoir augmenter différentes jauges et il y a une jauge notamment ici, claque les impôts, qui va vous rapporter des revenus chaque tour. C'est l'un des moyens de gagner de l'argent, de manière passive et de manière très efficace. Les impôts, ça marche toujours. Ensuite, phase C, les dés. Et bien parce que c'est un jeu qui est motorisé par des dés, vous dites, mais c'est un jeu complètement de hasard du coup. Non, pas du tout. On va jeter les dés en fait tous ensemble. On va avoir nos dés devant nous et on va choisir des actions. Donc, ces actions, on les a sous forme de petites tuiles comme ceci. Je vais essayer de vous les passer rapidement, mais ça me semble important de vous en parler rapidement. On a la philosophie qui vous fait gagner des petits bonus que vous pourrez utiliser pour différentes actions. Ça va vous faciliter la vie. La philosophie, ça coûte 0, c'est facile à faire parce que vous allez voir qu'il y a des coûts parfois suivant le résultat de vos dés. La législation, vous allez gagner des petits bonhommes comme ceci du peuple et vous allez pouvoir piocher des cartes de politique. Les cartes de politique, c'est également super important. On revient dessus juste après. La culture, eh bien, la culture, c'est ça va faire gagner des points bruts. Sur votre plateau, vous avez une jauge de culture, et plus vous augmentez cette jauge, et plus ça vous fera gagner des points quand vous jouerez la culture. C'est un moyen très efficace aussi de marquer des points. Oui. Le commerce, ça vous permet d'acheter des petits jetons qui ressemblent à ceci, et puis en plus de gagner de l'argent. Et en fait, avec ces jetons, vous allez pouvoir acheter. On peut développer sa cité. Vous allez pouvoir développer votre cité. Merci beaucoup. parce que ça coûte super cher de développer sa cité, et puis ça coûte de plus en plus cher. Hop là. Le militaire, ça va vous faire gagner ici votre petite jauge de militaire, vous allez pouvoir augmenter dessus et vous allez pouvoir vous lancer en campagne. Alors le plateau est plus grand, hein, on l'a pas entièrement dévoilé, mais vous allez pouvoir vous lancer en campagne et pouvoir aller chercher à nouveau des petits jetons comme ceci, dont certains qui vous donnent des petits multiplicateurs, c'est l'espèce de petite couronne de laurier ici, qui est un multiplicateur de gloire. Et bien à nouveau, ces petits jetons vont vous permettre d'améliorer votre cité, mais aussi vous allez plutôt chercher la gloire pour aller faire beaucoup de points, c'est aussi un moyen de gagner des points. Hop là. La politique, jouer une carte politique, eh bien, les cartes que vous avez piochées, alors vous en recevez en début de partie, soit de manière aléatoire, soit en draftant. Moi je vous conseille, une fois que vous savez bien jouer, de drafter, ça équilibre le jeu et ça le rend bien plus intéressant, de faire une sélection circulaire, ils disent dans les règles, j'aime bien ce terme. Eh bien vous allez pouvoir jouer une carte de politique, tout simplement, mais les cartes, eh bien, elles ont parfois des coûts qu'on peut voir ici, hein. Là il me faut 3 petits jetons rouges, là un jeton bleu. C'est des conditions exactement. C'est des conditions pour pouvoir jouer la carte, et la carte elle a soit un effet immédiat, comme par exemple ici le feu grégois qui me donne du militaire, immédiatement et après c'est terminé, soit me donne des conditions en fin de partie pour gagner des points. Ça peut être un des moyens d'aller chercher des points de victoire, et bien d'aller chercher des cartes qui vont me faire gagner des points selon certaines conditions et respecter ces conditions, et puis des cartes qui vont améliorer de manière passive la manière dont je vais faire tourner mon empire. Ça va me donner plus d'or, plus de culture facilement, etc., etc. Comme vous voyez, des cartes, il y en a beaucoup, c'est très complet. Et on termine avec le développement. Cette action me permet d'améliorer ma cité ici. Je reviens une dernière fois sur les dés. J'ai fait 1 et 6 par exemple. Eh bien, je peux choisir vraiment les actions que je veux. Par exemple, on va dire que j'ai choisi de faire philosophie. On va dire que j'ai fait 1 et 3. C'est vachement mieux pour mon exemple. Okay, hein, on est bien. Hop là. Philosophie et militaire. J'ai un dé de valeur 1. C'est au-dessus de 0. C'est bon, il n'y a pas de souci. Par contre, pour faire militaire, j'ai un dé de valeur 3. C'est en dessous de militaire. J'ai un d'écart, eh bien je devrais payer un citoyen. Voilà, donc certes on va subir le hasard des dés, mais si j'ai suffisamment de citoyens pour faire de la marge, on peut pas dire ça, il n'y a pas de souci. Et puis c'est là aussi la philosophie va pouvoir être utile. Ok, on va essayer de terminer en vous montrant le plan ici, la progression des sans trop se disperser, la progression des pistes, et je pense qu'après vous aurez un bel aperçu du jeu. Nous avons à gauche l'économie. Eh bien l'économie, vous avez monté donc ce jeton, ça vous fera gagner des citoyens à chaque fois, ça fera gagner des points bruts, tout simplement. Nous avons ici la culture. La culture, c'est très important. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va pouvoir augmenter les impôts. Et ben oui, voilà, les gens, ils sont contents. Ils ont des jeux du cirque, du pain et du cirque, c'est ça l'expression. Ouais, donc, on peut monter les impôts à fond. Il n'y a pas de problème. Ils vont rien remarquer. Et ben tant mieux. C'est super utile. Mais surtout, quand j'ai passé ce cap, je vais pouvoir gagner un dé supplémentaire. Je vais passer de 2 actions possibles à 3 actions possibles par tour. Cool. Et c'est monstrueux. Et pour terminer, le militaire. Bon, mais le militaire, est-ce que je dois vraiment récapituler ? Et ben si, quand même, parce qu'il y a des choses intéressantes. Ça va augmenter ma force militaire brute que je pourrais dépenser pour partir en campagne, rappelez-vous, gagner des petits jetons, mais ça me fera aussi à certains niveaux gagner
ici des petits lauriers, donc de la gloire. Et les gloires, je vous le rappelle, c'est des multiplicateurs de points. Vous avez multiplié en fin de partie vos points de gloire sur le plateau central avec les points de gloire des petits jetons que vous aurez gagnés en campagne. Et ça, ça peut faire beaucoup, beaucoup de points. C'est du multiplicateur, ça peut être exponentiel. Pour terminer, hop là, nous avons ici des objectifs à réaliser. Et bien à chaque fin de manche, vous le voyez dans le récapitulatif de ce qu'on peut faire à chaque manche, il y a un moment où on va vérifier si vous respectez ces conditions. Vous allez pouvoir vous placer dessus et gagner de la gloire ou des impôts. Je pense que t'as bien fait le tour. Allez, un dernier petit truc. Ici, eh bien, c'est une des choses que l'on peut faire, augmenter la puissance de notre empire perso. On a différentes choses, soit des gains immédiats, soit des passifs, donc j'obtiens un pouvoir qui va se déclencher tout le temps, soit des moyens, des nouveaux moyens de scorer en fin de partie. Évidemment, c'est de plus en plus cher, mais en général, le dernier niveau rapporte beaucoup. Je pense que j'ai fait à peu près le tour du jeu. C'est très J'espère cool. que j'ai pas été trop exhaustif. Sachez que en ce moment, on a les pièces métal et il y a une offre sympa parce que eh bien, sur la première fournée de pièces métal qu'on vend en boutique, elles ne coûtent que 5 euros. Plus tard, elles coûteront plus cher. Je saurais pas vous dire comme ça de tête le futur prix. Mais ça vaut vraiment le coup si vous aimez bien avoir un matériel un peu pimpé parce qu'il faut dire que ces pièces métal-là, elles sont vraiment magnifiques. Moi, je suis pas hyper fan des pièces métal dans les jeux en général, mais celles-ci, je les ai trouvées vraiment très très belles, ces pièces de drachme. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Alex, sur Korra? Pas du tout, on va enchaîner. Et donc, ah non, je me fais attaquer. Voici Jurassic Park. Oh, tan 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 tan. Voilà, il s'est emballé. Hein. Chacun. J'adore les dinosaures. Oui, très bien. Voici Jurassic Park dans la même gamme que on avait eu les Dents de la Mer. Voilà, par Ravensburger. Il nous adapte un peu tous les grands classiques. Personnellement, les Dents de la Mer, ça m'avait pas particulièrement emballé. Et Jurassic Park, personnellement, je ne suis pas une grande fan de ce film. Et pourtant, celui-là, vraiment, j'ai senti la tension. Mais de fou. C'est un jeu tous contre un. Tous les survivants contre un, celui qui incarne les dinos. Parce que oui, c'est un mais faux parce que vous avez trois dinos. Mais il y en a un qui les contrôle. Du coup, c'est aussi asymétrique puisque les deux camps, les deux bords, ont des objectifs différents. Déjà, les dinos, leur but, c'est de manger trois survivants. Oui. Voilà. Et le but des survivants, c'est de réussir à activer les trois endroits là qui sont ici. Hop. Oui. Et d'aller jusque là-bas où il y a l'hélico qui n'apparaît que quand vous avez activé les trois lieux. Bien voilà. Sûr. Comme dans le film, hein, le hangar d'entretien, le centre des visiteurs, bref, exactement pareil. Mais c'est pas si simple. Il faut en plus que chaque personnage remplisse son objectif personnel avant de pouvoir partir. Oh, le professeur Grant. Voilà. Et là, tu peux filmer. Ils sont tous là-bas, tous. Oui. Tous. Tous les persos. Voilà. Donc déjà, c'est compliqué. Oui. Mais sinon, on va avoir un jeu de programmation en fait, de cartes. Voilà. Oui. On va avoir des cartes en main, donc voilà, le dino va avoir ses cartes-ci d'action, il va en choisir une qu'il va poser devant lui. Et les autres joueurs vont aussi choisir une de leurs cartes action. Donc on a courir, on a escalader, on a se cacher, et on a tous les personnages ont un peu leur action libre propre. Lui par exemple c'est attirer, ça fait partie d'ailleurs de son objectif. Son objectif c'est attirer le tyrannosaure pour récupérer son jeton. Voilà. Et il y a donne-moi la main, très classique de ce Dr. Grant, donne-moi la main, et il aide un autre à escalader. Voilà. Pourquoi escalader? Pourquoi courir? Bon, courir, vous avez compris, hein, pour échapper aux dinos, ça c'est assez classique. Escalader, ça c'est un peu plus intéressant. Vous allez avoir sur les petites tuiles là, vous allez avoir soit les clôtures électriques qu'on connaît très bien, hein, qui ont failli tuer le petit gamin là. Bien sûr. Merci. Et vous avez ici des pentes, voilà, des murs. Et du coup, pour les traverser, si vous voulez passer par là, déjà va falloir jouer la carte escalader. Bien sûr. Et en plus, hop, je la ressors. Voilà, il y a marqué 3+. Qu'est-ce que ça veut dire? Et oh, j'ai un dé. Est-ce que tu vois la connexion logique? Ouais. Tu lances le dé. Ah, et j'ai fait plus de 3, c'est mais bon. Si t'avais eu ma chance, j'aurais fait 1 par exemple. Oui, tu aurais fait 1. Eh bien, j'aurais décidé de sacrifier
Je la sors du jeu. Ah. Bisous, elle revient plus jamais dans votre main. Une carte pour rajouter la valeur qui est en bas. Oh, vous voyez, il y a des valeurs différentes. Bon alors. Par exemple, tu as fait un 2 parce que tu es très malchanceux. Et ben, je vais sacrifier un courir, comme ça j'ai plus 1 et j'atteins le 3, ce qui était demandé minimum. Et en plus, cool. Ça va, je sacrifie une carte qu'on a en plusieurs exemplaires. On en a 3 ou 4, je sais plus. Bref, voilà, ça c'est à peu près le jeu. Mais le dino, lui. Quand il joue, eh ben déjà, il va pouvoir faire courir ses dinos. D'accord. Mais en plus, il va avoir des actions en plus en fonction de ses différents dinos. Voilà, il y a le Vélociraptor, le Tyrannosaure, le Diphalosaure. Diphalosaure, voilà. Bien sûr. Et c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire. Ah oui, comment on active les bâtiments? Dis-moi. Je vais t'aider. Merci. Regarde, il y a un 5+. Oui, c'est ça, c'est le dé. Ben oui, en fait. Et oui, voilà, c'est ça. C'est très simple, en fait. Et donc, regardez. Quand on a activé les 3 bâtiments, oui. Et ben il y a l'hélicoptère, tu l'as dit, qui arrive. Oui, ça, c'est bon, ça, j'ai dit. Et après, ben, il faut qu'on sauve 3 survivants. Il faut aller jusque-là. Voilà. Ça, je l'ai dit. Exactement. Oui, ben ouais, en fait, t'as sauvé 3 personnes. Après, il y a les dinosaures qui vont devoir manger des personnes pour gagner la partie. Voilà, et pour les manger, ben, faut être sur la même case. Exactement. Voilà. Et ça, c'est vraiment, c'est là où on sent toute la tension. C'est que vous êtes en train de vous dire, il faut que j'escalade, il faut que j'escalade, parce qu'il y a le tyrannosaure qui est juste derrière. Et là, vous jetez le dé, vous êtes tendu. Et l'avantage tendu des bâtiments, c'est qu'ils donnent des petits, bah, des petits avantages. Oui. Des petits effets. Quand vous allez remettre le courant, par exemple, bah, les clôtures vont s'allumer. Du coup, ça vous protège des dinosaures. Oui. Ça, c'est pratique. Ça, c'est pratique. Et toi, tu meurs pas si tu escalades la clôture allumée? Ah bah après, faut que tu choisisses au moment d'allumer qu'est-ce que tu allumes et qu'est-ce que tu laisses éteindre. Ouais, c'est sinon, ça. Un peu compliqué. Mais voilà, en gros, c'est la grosse tension de « Ah, je vais lancer le dé, il y a le dino juste derrière moi, est-ce qu'il va me croquer ou pas? Il faut que je réussisse mon jet de dé, voilà. » Et autre truc très très cool, c'est que vraiment, en jouant chacun des personnages, vous avez un peu... enfin, par exemple, lui, on a beau le jouer... En faisant tout pour qu'il soit gentil, qu'il sauve les autres et tout, il va finir par mourir. Votre deck un peu est fait pour que vous mouriez. Mais bon, au moins vous pouvez essayer de faire gagner les autres. Voilà. Non, c'est vraiment hyper immersif. Ouais, immersif et fidèle. Voilà, c'est tout ça que je cherchais. Très fidèle, même pour moi qui l'ai vu qu'une seule fois. Oui, vous pouvez me huer et m'envoyer des tomates. Voilà. Voilà, ça va être pour Jurassic Park. Là, je vous fais un petit teasing. Oh, mais c'est très joli. C'est magnifique. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et c'est une petite affiche de teasing pour Canva qui sort la semaine prochaine. Oh, voilà. Ça a l'air très cool. On va peindre son tableau. Voilà, je vais laisser la suite à Antoine et le JDR. Hey, c'est parti pour les nouveautés de jeux d'ordre. Regardez ce qu'il y a au bout de mes doigts. Hop là. Oh. Aventure dans l'Imperium, le jeu officiel de Arkane Asylum. Merci Arkane Asylum. Merci Frank Herbert quand même. Donc... Hop là, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est donc le jeu de rôle dans lequel on va incarner les agents des différentes maisons de l'Imperium. Donc, on pourra bosser pour les Harkonnen, c'est les meilleurs. On pourra bosser pour les Atreides, pour les Corino, il y en a plein d'autres. On pourra aussi, pourquoi pas, jouer des Fremen. Ça, c'est plutôt la classe, je trouve aussi. Et puis, bah, vous pourrez, bien sûr, jouer les rôles les plus connus qu'on peut trouver dans les films, dans les bouquins. Des Mantas, des Maîtres d'Armes, pourquoi pas des Sorcières du Bene Gesserit. Évidemment, on va pouvoir se balader un petit peu dans l'Imperium, mais le jeu est pensé pour être joué autour d'Arrakis, évidemment, la planète Dune, où il y a l'épice, le fameux, qui permet de voyager à l'autre bout de la galaxie en un instant. Forcément, ça mérite toutes les intrigues, toutes les aventures que votre maître du jeu pourra vous inventer. Hop, je vous montre rapidement le dos, hop, comme ceci. Et bien sûr, comme toute nouveauté, eh bien, elle arrive avec son petit kit du meneur de jeu. Ah, hop là, c'est bien ça. Kit du meneur de jeu qui contient, comme d'habitude, on est sur le classico-classique, l'écran du jeu comprenant les références, des petites accroches d'intrigue, pourquoi pas pour lancer un petit peu d'impro pour le MJ, l'aider à faire de la petite impro, et une belle carte illustrée d'Arrakis. Ça, ça fait plaisir. Oui. C'est un grand désert où il n'y a pas grand-chose, mais quand même, on sait qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer sur Arrakis. Alors une carte, comme dans tous les JDR, ça aide et ça fait toujours plaisir. Hop là, cette gamme, eh bien, elle est toujours pas terminée puisque il y a les jolis bouquins de luxe qu'on peut vous proposer à la boutique. Ils sont absolument magnifiques. On commence par les meilleurs parce que j'ai pas les Fremen. Donc on va voilà, les deuxièmes meilleurs, on va dire. Bah, les Harkonnen, évidemment. Yes. Regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est doré. Et donc on va retrouver la maison Harkonnen, mais bien sûr les Atreides. Oui. Voilà. Et puis la maison Corino. Waouh. Ils sont magnifiques. Ils sont tous très beaux. Ils sont à la boutique. C'était très attendu par moi, mais pas que par moi, évidemment, c'était très 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 attendu. C'est là, c'est dispo, et j'enchaîne de suite parce que
c'est une semaine avec beaucoup de nouveautés en JDR. Oui. Hop là, je vous présente donc Nain. Eh bien, Nain, c'est la nouvelle boîte d'initiation pour le jeu L'Éther d'Aran. Jusqu'ici, il y avait la boîte Elf, et puis désormais vous avez Nain. Alors vous pouvez commencer par l'une, par l'autre, ne faire qu'une des deux, au choix. C'est juste que il y a des gens qui n'aiment pas les nains, ils préfèrent jouer des elfes. Il y a des gens qui n'aiment pas les elfes, qui préfèrent jouer des petites personnes avec des grandes barbes, qui boivent de la bière. Et ben voilà, maintenant c'est chose faite. Comme d'habitude dans les boîtes de chez Black Book, c'est ultra complet. Hein, on a l'écran de jeu, on a des cartes, on a les cartes, donc c'est surface effaçable à sec. Ça fait toujours plaisir, pour faire des effets magie, pour aller indiquer des trucs avec des flèches. Les petits socs avec les personnages, ça c'est vraiment top. Les pré-tirés, la petite aventure, les dés, voilà, c'est ultra complet. Comme d'habitude, le job est super bien fait. Hop, Shadowrun, noir total juste à côté. Wow. Une campagne pour Shadowrun 6ème édition. Une campagne complète avec à la fin un petit setting de quelques pages pour vous raconter ce qui s'est passé ces dernières années en France dans l'univers de Shadowrun. C'est vrai que Shadowrun ça tourne autour des États-Unis essentiellement, même si on sait ce qui s'est passé dans le reste du monde pour les événements très importants. Et bien désormais on saura ce qui s'est passé en France et ça pourra pas, ça permettra pardon, de donner des idées au MJ pour vous faire jouer des aventures cyberpunk fantasy à Paris ou à Bordeaux, pourquoi pas. Oui. On va descendre par ici parce qu'il y a encore plein de nouveautés, je vous l'ai dit. Ça aussi, c'était très attendu. Oui. L'appel de Cthulhu, le règne de la terreur. Et bien voilà, durant l'époque de la terreur, on va faire des aventures à la appel de Cthulhu. Donc des aventures, on va tous mourir face aux grands anciens et à des choses terribles, évidemment. C'est à la fois un petit setting, un petit livre de background qui va vous permettre de préciser les événements et comment les inclure dans vos propres histoires, mais aussi une mini-campagne de scénarios qui peut servir, ben voilà, soit pour découvrir un petit peu ce que c'est que l'appel de Cthulhu, soit un petit intermède, un petit one shot ou pourquoi pas du flashback. C'est vous qui voyez en fait comment vous allez vous servir de cet outil qui est un bel outil pour l'appel de Cthulhu. Hop, cool. Je poursuis avec Hyper Tellurien. Alors Hyper Tellurien, c'est un petit coup de cœur perso. Et bien pourquoi? Parce que c'est un jeu de rôle aux règles, très simple, très accessible, que vous allez pouvoir faire jouer facilement à vos amis, qu'ils soient rôlistes aguerris ou pas, dans un univers ou dans un multivers complètement fou, puisque c'est très inspiré des magazines pulp américains des années 20 à 50, mais aussi si très inspiré de Metal Hurlants et autres consorts comics underground des années 70. Donc voilà, des univers avec des chevaliers, des princesses dans l'espace avec des robots et des poneys mutants qui lancent des sorts. Tout ce qui vous passe par la tête, voilà, vous pouvez le mettre dans des scénarios de Hyper Tellurien. C'est pensé pour, c'est libre, c'est fun. Il y a une aventure qui est comprise à l'intérieur. Je pense que moi, hop, ça va peut-être finir à la maison. Faut que je réfléchisse encore un peu, mais je pense que ça va être vite réfléchi. Allez, on a fini avec les bouquins. On a quand même des choses très sympas pour terminer cette présentation. Ici, des petits stickers repositionnables pour vos aventures, que vous jouiez sur une feuille A4 ou que vous ayez, ce que je vais vous montrer juste après, des petits donjons portatifs, des petites cartes, eh bien vous allez pouvoir vous servir de ces effets magiques. Alors on va bientôt en recevoir d'autres, mais là j'ai commencé par les effets magiques parce que c'est ce qui me semblait le plus intéressant. Que je fasse une boule de feu, que j'invoque un gros cercle plein de tentacules dégueulasses, ignobles, que je fasse un cercle d'invocation, des éclairs, il y en a plein dedans, il y en a 60 si je dis pas de bêtises. C'est magnétique, donc ça tient super bien. Vos petits personnages, si vous jouez avec des petites figurines, vous allez pouvoir bouger dessus sans que ça bouge. Et puis ça tient par électricité statique, donc dès que vous les décollez, vous prenez à la main, vous pouvez les replacer ailleurs à l'infini. Excellent. Ouais. Et juste à côté, la Big Box of Adventure numéro 1, parce qu'il y en aura plusieurs, Valley of Peril. Eh bien c'est 24 maps, donc justement là les petits sorts ils pourront très bien servir dans les maps, des maps essentiellement de vallées, de forêts, de grottes, de donjons, de temples oubliés, et il y a aussi des auberges, des petits bâtiments, donc vraiment de quoi faire des aventures super sympas, basiques n'est-ce pas, mais vraiment des donjons et des forêts, je pense qu'on vous trouverez de la place dans votre JDR médiéval fantastique sans problème. Et 300 tokens fournis à l'intérieur, c'est des petits tokens comme ceci, c'est pas des silhouettes, c'est des petits hexagones que vous pourrez déplacer case par case, effectivement quand on doit faire une armée de gobelins et qu'on n'a pas 150 silhouettes sous la main, et on pourra se servir de ces petits tokens de dragons, de gobelins et d'autres pour vos aventures. Pour terminer, hop là. Et après j'ai terminé. Jeu de rôle magazine, il est là, il est arrivé à la boutique du White Wolf, des scénarios pour Aqua Blue, pour Nephilim, il est en boutique, c'est dispo.
J'ai fini pour l'actualité JDR et je passe le relais à moi-même. Et je vous retrouve pour vous parler de Kung Fu Fight, un petit jeu à deux boîtes. Hop là! Ce jeu, c'est un jeu d'affrontement pour deux joueurs. Comment fonctionne-t-il? Eh bien, il va y avoir une arène centrale avec trois lieux sur lesquels on pourra combattre pour obtenir des cartes. Il y a un joueur qui va incarner les chats ninja et l'autre joueur va incarner les chiens moines Shaolin qui font le kung-fu. Okay. Comment ça va se passer? On a chacun notre petit paravent derrière lequel on va programmer nos escouades. Donc je peux choisir par exemple de mettre toutes mes cartes sur le milieu de mon paravent pour dire que je veux récupérer tout ce qu'il y a dans l'arène du milieu ou répartir à droite et à gauche pour avoir que ce qu'il y a à droite et à gauche, enfin pour combattre que ce qu'il y a à droite et à gauche ou répartir sur les trois petites arènes. On va donc programmer comme ceci nos personnages, on va dévoiler, on va voir qui a la valeur la plus forte pour chaque arène. Attention, vous allez pouvoir combiner vos personnages, mais ce qui va être intéressant, c'est que vos personnages sur une même escouade, vous allez les empiler parce que le personnage du dessus, on va lire le texte de son pouvoir. Il y a des petits effets, chaque personnage a sa valeur propre et son petit pouvoir. Ces effets vont se déclencher à des moments bien précis qui vous arrangent et on va voir qui va gagner donc les cartes d'une arène. Ok. Ce qui va être intéressant, c'est que vous allez avoir deux jauges de votre côté. Vous avez une jauge d'esprit. Et bien, si jamais vous faites tomber la jauge d'esprit de l'adversaire à zéro, vous gagnez la partie. Mais plus votre esprit est bas, plus vous pourrez jouer de personnages d'un coup derrière votre paravent. Mmh. Et il y a aussi la jauge de points de victoire. Et là, en fait, tout simplement, il faut arriver à mettre un écart de points de victoire suffisant à l'autre joueur pour remporter la partie. Donc, en fait, quand vous remportez des combats dans l'arène, vous gagnez des points de victoire, vous affaiblissez l'adversaire, mais vous allez aussi gagner les objets, donc les cartes qu'il y a sur les différentes arènes. Ces cartes, ça peut être quoi? Eh bien, ça peut être par exemple de la nourriture. Eh bien, ouais, parce qu'en fait, les cartes qu'on joue dans ce jeu, elles sont définitivement défaussées. Pour les récupérer, il va falloir que je me fasse un petit casse-dalle, que je mange de la nourriture et je pourrai récupérer ma main. Parce que forcément, plus je vais jouer de cartes et plus l'autre joueur pourra savoir ce que je vais jouer, vu qu'il sait ce que j'ai dans ma main en début de partie. Très bien. Ça pourrait être de nouveaux personnages. Pourquoi pas des personnages plus forts, ou simplement on va recruter plein de personnages pour augmenter mes capacités et surprendre l'adversaire. Et puis ça peut être aussi des cartes de technique, comme ceci, cartes de technique qui vont se déclencher à des moments bien précis. En général, c'est quand je les gagne, elles me donnent un bonus immédiat. Donc, un petit jeu de bagarre pour deux joueurs, un mimi comme tout avec des petits chats, des petits chiens, un petit peu de guessing, essayer de deviner ce que va faire l'adversaire. Il y a un côté presque un peu Shifumi plus avec des pouvoirs. C'est tout mignon. Moi personnellement, je suis conquis. Je trouve que c'est un joli programme. Tout à fait. Juste à côté, nous avons Burger Bros et je vous laisse avec Alice. Recoucou, c'est encore moi. On va casser un casino là, c'est quoi le délire? Oui, c'est ça. Je sais pas pour ceux qui connaissaient Burger Bros. Premier du nom, mais voici la suite. Burger Bros premier du nom, c'était un casse coopératif d'une banque. Et bien aujourd'hui nous allons faire un casse coopératif d'un casino, mes chers amis. Nous montons en grade. Non, techniquement un casino c'est moins chaud qu'une banque, mais c'est pas grave. Nous voilà donc dans le casino, opération casino, hein, c'est marqué là, et ça c'est le 2, voilà. La boîte est 4 fois plus grande que la première. Ouais. Pourquoi me demanderez-vous? Parce que dedans, vous avez de quoi faire 2 étages. Voilà. Le casino, il est en 2 étages, 3D et tout, c'est très très classe. Voilà. Moi je l'ai vu à Vichy, c'était... Je vous en parle à la fin de la vidéo. C'était très impressionnant, je pense que c'était presque aussi haut que cette boîte en fait. Wow. Du coup... Burger Bros assez rapidement, hein, c'est de 1 à 4 joueurs, voilà, à partir de 14 ans quand même. C'est vous faites de la coopération pour vous déplacer dans les salles pour récupérer, enfin pour vous enfuir en fait, récupérer et vous enfuir du casino ici. La différence avec le premier du nom, c'est que ici il faut faire gaffe au videur, mais dès que vous chopez la money, il devient un chasseur, donc il vous chasse cette fois, mes chers amis, attention. Mon Dieu. Voilà, et grande nouveauté, parce que c'est quand même, faut le dire, c'est à la mode, hein. Y a des enveloppes secrètes pour faire une campagne. Oui. Voilà, je ne sais pas du tout ce que c'est la campagne, je n'ai pas ouvert les enveloppes pour une fois, mais voilà, ça va être la grande différence. Ça donne envie. La grande, comme parce que c'est grand. Oui. Très drôle. Voilà. Merci. Dit. Bon, on enchaîne. Oui. Voici Exit, le jeu, le jeu d'escape game, mais cette fois sous forme de puzzle. On en a deux boîtes différentes, voilà, le phare solitaire et le temple perdu. Et là, pourquoi il est différent? Et voilà, là il y a marqué qu'on tient 4 puzzles. Oui, c'est des puzzles, cette nouvelle gamme. En fait, c'est un escape game, mais là, les indices vous seront donnés par des puzzles.
Voilà. C'est grave cool. Donc dans chaque boîte, vous aurez 4 puzzles différents de 88 pièces. Voilà, c'est la nouveauté de Exit. Il se renouvelle ouais. Sur l'expérience. C'est hyper innovant de le faire sous forme de puzzle, le côté indice. Ouais, ouais. Très chouette. Voilà, je crois que c'est tout. Alors, on va c'est derrière tout. Le comptoir. Ah oui. Bonjour, nous sommes derrière le comptoir. Derrière le comptoir, je vais vous parler de ça, qui sont d'abord deux retours en stock. Voilà, la famille des Epic Tiny Games se remplume un peu, voilà, avec le zombie et le Defenders qui revient. Et en plus, se remplume encore plus parce que on a trois nouveautés. Voilà, que j'ai aussi vu à Vichy, donc je vous en parle bientôt. Donc on va avoir ici le Tiny Epic Pirate. Ça va être du coup du basiquement pick and delivery. Voilà, chacun a son galion de pirate et va devoir piller des bateaux pour récupérer des ressources qui sont ces petits cubes. Voilà. Et le premier qui est allé en enterrer 3 de ses trésors dans les îles parmi tout ça, hein, y en a plein, a gagné. Alors la différence, enfin le truc vraiment cool, c'est vraiment le pillage, c'est-à-dire que vous allez pouvoir piller les autres bateaux, hein, voilà. Et c'est super bien fait parce qu'en fait vous poussez le bateau comme si vous le renversiez et en fait ça renverse toutes les ressources qui sont dedans et qui flottent dans l'eau comme ça et que vous pouvez récupérer. Et vous pouvez faire pareil sur la frégate royale qui va falloir plutôt l'éviter. Hein. Elle, c'est le chasseur. Voilà. Okay. Mais vous avez normalement la frégate commerçante. Voilà, celle-là, elle a tout le temps des ressources, c'est cool. D'accord. Ok, ensuite on a Tiny Epic Dinosaur. C'est quand même la semaine des dinosaures. Tu dois J'adore. Être content, Alex. Oui, les dinosaures. Voilà, Tiny Epic Dinosaur. Celle-ci, c'est eh bien, vous êtes des éleveurs de petits bébés dinos que vous allez vendre après au parc d'attractions à thème les plus offrants. Est-ce que c'est la genèse de Jurassic Park? Donc, du coup, là, ça va vraiment être une sorte de gestion de son plateau. Vous allez étendre votre île et vous allez placer des petites barres d'enclos, là, des petits meeples d'enclos, et vous allez y mettre différentes espèces de dinos qu'il va falloir nourrir. Attention, si vous ne les nourrissez pas, ils s'enfuient. Ça fait beaucoup d'argent perdu, ça. Tout à fait. On fait des points avec des objectifs, je crois. C'est ça ? Ah oui. Voilà, c'est toujours juste. Non, mais je voulais rajouter des objectifs. Voilà, merci. Des objectifs d'avoir des dinosaures particuliers dans son parc. Voilà. Et voici le dernier, le très gros, le très 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 gros. Vous voyez, là, il y a un petit carton. Je sais pas si vous voyez. Oui. Pourquoi ? Parce que l'intérieur de la boîte, c'est en fait, on le voit ici, des bâtiments, enfin des paysages 3D. C'est ça qui est trop fou dans cette gamme, hein, les Tiny Epics, c'est que vous avez des jeux hyper complets et même un peu complexes dans des minuscules boîtes. Et là, quand même, dans cette minuscule boîte, ils ont réussi à faire entrer un tapis de jeu et tous ces morceaux en 3D de cubes. Plus toutes les cartes, plus toutes les ressources, etc. Ça, c'est fou. Bon, sinon, le jeu lui-même, c'est un jeu très adaptable, c'est-à-dire que vous pouvez jouer en solo, en compétitif, en équipe et c'est tout, c'est ça, ouais, c'est ça. Attends, j'ai dit, fait solo, équipe, compétitif. T'as tout dit, je crois. Voilà, c'est ça. Oui, oui, bien sûr. Et équipe, oui, je sais plus si je l'avais dit. Mais voilà, donc du coup c'est hyper adaptable. Il va avoir deux modes de jeu, c'est-à-dire qu'en coopératif et solo, le but c'est d'explorer et tuer des monstres, voilà, explorer le monde et tuer des monstres, sachant que dans ces bâtiments, là, enfin dans ces, je vais pas appeler ça des bâtiments, mais dans ces morceaux dans de carton, voilà, en fait quand vous retournez à l'intérieur c'est des donjons, c'est super bien fait, en plus vraiment le détail est trop bien, et quand vous jouez en compétitif ou en équipe c'est plutôt de la prise de drapeau. Ah, voilà, vous devez monter là-dessus et rester le plus de tours possible dessus en défonçant les autres, voilà, pour garder le drapeau. Et aussi la grande richesse, c'est que vous avez, alors tu vas me refaire le calcul, mais c'est ça, vous avez plusieurs personnages. Oui. À chaque fois, quoi qu'il en soit, vous devez avoir une équipe composée des quatre races différentes. Il y a magicien, guerrier, monstre et je sais plus quoi, et voleur. Et dans ces quatre races, il y a 8 personnages différents, c'est ça. Tout à fait. Je me souviens du calcul. Donc voilà, il y a 8 voleurs différents, 8 monstres différents, vraiment, et ils sont tous hyper asymétriques. Et à chaque fois, vous pourrez faire des équipes totalement différentes avec leurs propres pouvoirs, leurs propres caracs, etc., etc. Donc c'est super riche. Et comme le dit le principe de cette gamme, c'est super riche et super compact et portatif. Très cool. Voilà. Dernier petit derrière le comptoir. Voici cette petite boîte trop mignonne.
mais pour une cause pas si mignonne mais très importante, qui est la lutte contre le cancer du sein. Voilà, c'est une initiative de Days of Wonders et Asmodée, qui sont donc les éditeurs et distributeurs de des Aventuriers du Rail. Vous aurez, pour l'achat de cette boîte de 8€, vous aurez ces petits trains roses très mignons. Et comme vous le voyez écrit ici, oui, 2€ seront reversés à la recherche à chaque achat de boîte. Donc sur les 8€ que vous payez, en fait, il y en a 6 pour nous, en gros, pour compenser l'achat de cette boîte, et 2 pour la recherche. Et oui. Voilà, voilà. Et en plus, c'est des trains roses. Oui, bah c'est cool. Ah, bah, oui. C'est cool. Oui, c'est très bien. La couleur est cool. Voilà, play pink. Bon, maintenant on arrive à ma partie favorite, on va parler de Vichy. Non, en vrai, bon, à part vous dire qu'il y avait beaucoup de monde, que c'était hyper intéressant et passionnant, et qu'en plus c'était mon premier salon de jeu professionnel de ma vie. Voilà, c'était vraiment, il y avait tellement de monde, mais on s'est tous dit que c'était parce que bah, il n'y avait pas eu de festival de jeu depuis... Hein, ce fameux Covid, notre ami, voilà. Et donc du coup, tout le monde était là. Hein. C'était, y avait un côté grand public, ouvert au public, et un côté pro. Et du coup, déjà, j'ai adoré rencontrer bah, certains d'entre vous en vrai. Voilà, c'était super agréable, c'était surprenant. J'avais mon masque et on me reconnaissait quand même. Ça m'a fait très plaisir. J'étais vraiment très contente. Et bah, après, c'est aussi super intéressant parce que j'ai rencontré bah, des auteurs, des éditeurs en personne. Et tout de suite, ça les rend bah, plus des personnes et des humains comme nous. Ils sont très gentils. Et très passionnée comme tout le monde dans ce festival. Voilà, j'ai vu plein de nouveautés, certaines qui sont bah, sorties cette semaine, comme par exemple les Tiny, le Haut les Mains, et d'autres qui sortiront pas avant l'année prochaine. Voilà. Mais si vous voulez toutes les infos, enfin un peu tous ces petits teasings, parce que bon, je vais pas vous expliquer en détail chacun des jeux, parce que même on ne les a pas expliqués en détail, parce qu'il n'y avait pas le temps, il y avait trop de choses à voir, les éditeurs avaient plein de trésors. Mais vous pouvez aller voir ça sur l'Instagram. J'ai fait des stories avec des petits textes explicatifs rapides sur tous les jeux que j'ai vus. Ça a pris beaucoup de temps, mais j'ai adoré. Et merci pour tous vos messages de remerciement. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Vraiment, j'étais trop contente que vous me suiviez. Et donc, du coup, j'ai fait une petite playlist sur notre profil qui s'appelle Festival de Vichy. Vous cliquez dessus et c'est les archives de tout ce que j'ai fait pendant Vichy. Voilà. Et sinon, bah Alex vous montre aussi des images que j'ai un peu shootées au milieu de toutes les stories sur les jeux. Voilà, j'ai fait des petits plans pour vous montrer un peu l'ambiance. Voilà. Et bah sinon, à bientôt juste derrière pour Nouvelle Contrée, que j'ai découvert aussi à Vichy. Vraiment mon coup de cœur. Et je vous laisserai avec le à bientôt de tout à l'heure. Oh, pardon. Je suis en pleine partie de Nouvelle Contrée. Nouvelle Contrée, c'est une très belle sortie ludique, un très bel ovni qui est sûrement plutôt pour l'année prochaine, donc une belle avant-première. Nouvelle Contrée, eh bien, ça va être un jeu qui va vous permettre de redécouvrir votre bibliothèque. Et oui, c'est une perle ludique et littéraire, quand je vous parlais d'ovni. Dans Nouvelle Contrée, en fait, vous allez être des explorateurs de livres. Vous allez... explorer vos livres de bibliothèque ou ceux de vos amis ou de vos proches pour trouver le sens caché du livre que vous aurez sélectionné pour cette partie. Donc, sélectionnez un livre de votre bibliothèque. Moi, j'ai sélectionné le tome 3 de Red Rising. Petite référence. N'importe lequel marchera très bien. Un livre de cuisine, un livre philosophique, un livre de Zola. Vraiment, nous, on a essayé plein de choses. Même un livre sur... comment être un bon meneur de jeu ou sur les révoltes napolitaines, enfin bref, tout marche, ça va faire des sensations de jeu très différentes à chaque fois. Alors, Nouvelle Contrée, eh bien ça va être parfaitement expliqué, c'est très très simple, dans cette boîte. Regarde-moi ça Alex. Oui. Hop, voilà, vous avez la préparation, les tours, etc. Vous allez avoir votre livre ici et il y a une petite mise en place. On vous dit allez à minimum 90 pages de la fin et mettez-y la cité perdue. C'est ça que vous allez chercher parce que dans la cité perdue se trouve le sens caché de votre livre. Hop, vous le mettez au fond et à 50 pages en arrière, vous allez placer votre campement d'explorateur. C'est que des jolis marque-pages. Hop, donc moi je suis tombée ici. Avec ce campement, vous aurez la carte de l'éclaireur. L'éclaireur, c'est celui qui va lire les pages. Il n'y a aucune obligation, le lecteur sera celui qui veut lire. Voilà, ça peut même être le même pendant toute la partie, c'est vraiment aucune pression. Du coup, on va avoir ici
4 marque-pages tirés au hasard de cette pioche. Et vous voyez, on va avoir des directions. Nord, ouest, est et sud. Ce sont les paysages que nous allons rencontrer durant notre voyage dans le livre. Alors, je vais vous montrer un petit tour, ce sera bien plus simple. L'éclaireur va tourner 4 pages, c'est le chiffre qui est indiqué ici. Ça change, hein, vous voyez. 4 pages depuis là où on était avec le camp. Hop, ici. Donc, 4 pages. 1, 2, 3, 4. Et je pars en éclaireur et je le mets ici. On va toujours jouer sur la page de droite. Hop, le lecteur, l'éclaireur, va lire les 6 premières lignes du livre. C'est super bien fait, ça, vous pouvez le mettre en petite réglette pour savoir jusqu'où vous devez lire. Alors ça dépend, vous pouvez jouer avec les titres ou pas, voilà. Et ce qui est super bien fait, c'est que des fois, vous allez arriver sur des pages où c'est en plein milieu d'une phrase. Ça commence là-haut, c'est en plein milieu d'une phrase. Bah tant pis, vous allez commencer en plein milieu d'une phrase. Donc, ici, hop, voilà. Je vais lire mon extrait dans ma tête, et ensuite, je vais regarder les 4 paysages qui se trouvent ici. Je vais secrètement voter sur ma boussole pour savoir où je vais me diriger parmi les 4 paysages en essayant de le faire correspondre à l'extrait que je me suis lu dans ma tête. Par exemple, là je vais vous le lire. Hop, tu n'es qu'un foutu cinglé, dis-je à Sévro quand nous nous retrouvons seuls dans la clinique de Vinari. Il rit en se tenant la nuque, je l'embrasse sur le crâne, complètement ma boule, tu le sais. Bah je n'ai fait que copier sur toi, tu sais, le coup de tactus à l'institut. Par conséquent, hop, fin du passage. Oui, débrouillez-vous avec ça. Là, tous ensemble, vous allez réfléchir et vous dire, bon, ce passage du livre, à quoi il correspond le plus parmi ces 4 paysages? Ça va faire penser un peu à du Dixit ou du Mysterium, on va dire. Donc, vous allez réfléchir et on va dire que vous dites, ok, l'éclaireur est allé au sud. Parce que ça, c'est la même ambiance que le passage. Hop, eh bien, je vais vous révéler où j'étais allée. Cool, je suis allée au sud. Bravo, vous m'avez trouvé. Ça, on le remporte, c'est un petit trophée. Hop, et on va pouvoir mettre un nouveau paysage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'éclaireur a bien fait son travail dans le livre, et donc, le campement avance et rejoint l'éclaireur. On se passe le livre ou non, et on va enchaîner en avançant toujours de 6 pages, ou de 7, etc. Il y a un petit twist, il y en a même plein. Ici, ce sont des défis. Vous pouvez avancer de plus 4 pages, donc 6 plus 4, si vous décidez de prendre ceci. Ça va être des sortes de défis, par exemple. Vous ne lisez que les 4 premiers mots de chaque ligne sur strictement 10 lignes. Cette fois donc, vous ne lirez pas 6 lignes, mais 10. Vous suivez la consigne. Ça va devenir de plus en plus dur de lire. Par contre, quand vous piochez cette menace-là, vous la regardez secrètement en tant que lecteur et les autres ne sauront pas c'est quoi. Hop, mais vous avancerez plus. Si vous y arrivez, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, eh bien il va se passer des choses. Quand on n'arrive pas à retrouver l'explorateur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va défausser les 2 marque-pages, c'est-à-dire celui qu'on avait désigné alors que c'était pas le bon, et celui où techniquement l'explorateur était pour de vrai. Hop, on les défausse et on va perdre des points de vie qui sont en fait ces petites lettres là-haut. Hop, c'est notre jauge de vie, on commence avec 26 lettres. On va en défausser 6 par marque-page raté, donc 12 en tout. Et là vient le dernier twist, c'est ces missions-là. À chaque début de tour, avant que l'explorateur lise à voix haute, chaque joueur qui sont ceux qui écoutent vont choisir une mission chacun. Les missions sont très différentes, par exemple, il n'y a absolument pas les mots « il » ou « il » au pluriel. Donc chacun va en prendre une. Et en plus d'écouter le lecteur et savoir dans quel paysage il est allé, il va falloir essayer d'écouter vraiment les mots qu'il a prononcés ou non. Donc ça va commencer à être très difficile. Et donc du coup, une fois que le passage a été lu, avant de vous prononcer sur où il est allé, vous pouvez dire, bon, moi ma mission, non, il a dit il plusieurs fois, moi c'est mort. Par contre, peut-être que quelqu'un d'autre, sa mission a été complétée, effectivement. Donc il va dire, ok, moi je complète ma mission, c'est bon. Et les missions, à quoi ça sert? Eh bien justement, à annuler les points qu'on perd quand on se trompe dans les marque-pages. Donc par exemple, hop, on s'était trompé, ça tombe bien, on avait réussi une mission, donc celle-ci,
on l'encaisse, il n'y a pas de souci, donc on perdra que 6 jetons au lieu de 12. Voilà, ça c'est le jeu. Et ensuite, ce qui est vachement intéressant, c'est que vous avez plusieurs modules. Par exemple, pour encaisser des dégâts de marque-page, il va vous falloir pile le symbole du marque-page que vous voulez encaisser. Par exemple, hop, je vais essayer d'en trouver un. Voilà. Si par exemple je devais encaisser ce dégât-là, il aurait fallu que j'ai réussi une mission préalablement avec le même sigle. Sinon, je ne peux pas l'encaisser et paf, les points dans la tête. Ça commence à être un peu plus difficile. Et on a aussi un module avec des personnages. Chacun aura un personnage avec des pouvoirs assez pétés, mais qui ne s'active qu'une fois. Voilà. C'était Nouvelle Contrée, qu'on a très 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 hâte de voir. Vraiment, c'est un ovni pur qui a été créé par Germain Winzenstark. Et magnifiquement illustré par Jeanne Landart. Ça sera distribué par Novalis, mais c'est édité par Olibrius. Eh bien, j'espère que vous redécouvrirez très vite vos livres de bibliothèque. Et je vous dis... à bientôt sur Jeux des Cartes Bordeaux.